Lakers. Pareil. Je dirais Damien Lillard ou Russell Westbrook. LeBron. Leur façon de jouer, l'énergie qu'ils mettent dans le jeu, le flow qu'ils ont également. Bah, je laisse répondre. Moi je dirais que c'est Bucky. Ah merci. C'est Bucky. Je vais voir s'il allait être honnête. J'arrive. Ah. Ah, c'est lui, Touquet c'est lui. Mais Warzone, je t'aurais répondu autre chose, mais ouais. Touquet c'est moi. Touquet c'est lui. FIFA c'est moi. Oh. Là je suis sûr. Là je suis sûr. Eh, honnêtement, on peut couper après ça. FIFA, je suis sûr. Des prévis. Mais il a pas de N2, comment ça? Il peut pas faire de crossover. Moi, je le mets au sol, clairement. Faut se mettre d'accord. Hein. Là, on peut pas se mettre d'accord. Ah, moi, c'est le dunk. Une belle passe d'ess. Interception, ouais. Dunk contre-attaque. C'est la spéciale. L'attitude des gens, la population, elle est plus chaleureuse ici. On est près de Bruxelles et près de Paris en même temps. Moi je dirais l'Espagne. L'Espagne, ouais, c'est ouais. Cool. Hein. Ouais, l'Espagne, ouais. Coupe de France, à Bercy. Leaders Cup, on a quoi? 2016, ouais. Petite décasse 2016. Coupe de France, 3. Merci. Mener 3-1, gagner 4-3, non, c'était ouf. C'était ouf, ouais. Lillard et Westbrook. Je suis né le 20 janvier. Lui aussi en plus, hein. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai pas pris le nom. Et tu l'as pris, j'ai juste enlevé le 2. Moi j'étais habitué en espoir, la plupart du temps c'est à huis clos ou alors il y a très peu de personnes donc j'étais habitué. Quoi. Moi ça change parce que moi je suis quelqu'un qui communique beaucoup avec le public. Je suis pas mal en communion avec le public pendant le match. Que ce soit dans les regards, dans les communications, dans des moments chauds. Le fait, quand tu fais une action, tu regardes dans les tribunes, il n'y a personne, c'est bizarre. Je la laisse répondre là. Ça. Il a de l'inspi, ce con. Les nuits étaient plus courtes au début. On sommeillait moins, mais c'est une nouvelle vie, hein. C'est une nouvelle responsabilité, donc ce qui est du bonheur. Et top, hein. FIFA aussi, FIFA. Pour ceux qui veulent El Rainbow, basket. Joe, il est trop fort. Ouais. Joe. Ouais, Joe, il cache bien son jeu. Joe, ouais. Joe, il cache bien son jeu, ouais. C'est un petit malin, Joe. Thomas. Thomas. Ouais. Hugo aussi, des fois. Thomas sur podium 3 fois. C'est propre à chacun. Hein. Ouais, moi je dirais pâte, poulet. Ouais, pâte, poulet. Ouais. Pâte, poulet. Et des crudités. Vous le croyez surtout pas. Non, honnêtement, vraiment. La vie, hein. Crudité, ouais. Non, tu cut pas, mec, le laisse. C'est sincère. Flex pour le laisse. On est là, ouais. Bah, vas-y, commence. Alors, pour Bucky, son agressivité en défense, il les gars quand il va au Thomas ou des trucs comme ça, son côté arrogant. Ouais, je mets ça dans qualité. Après, Loulou, il est. Intense, bon défenseur sur l'homme, bon passeur, on le dit. Sauf quand il casse des vitres. Ça arrive une fois. Savoir que l'année dernière, il a essayé une passe et il a cassé une vitre. Il a pété une vitre. Bon, elle était réparée depuis. Ouais, elle était réparée encore. Bravo, il s'est fait depuis. Non, ouais. Tu sais que ça a continué de jouer. Hein. Max l'a redonné une balle et ils sont partis en attaque. Pour ma part, faire mieux que l'année dernière, c'est déjà bien. Une progression par rapport à la saison dernière. Après, on verra où ça mènera à la fin de l'année, mais s'il y a du progrès par rapport à la saison dernière, ça sera déjà un objectif d'atteindre. Ça se remarque, quoi. Après, au niveau statistique aussi, peut-être. Top 3.
Non, mais pas trop. Les playoffs au minimum. S'il y a des playoffs, bien sûr. Bien sûr, on essaiera d'aller le plus loin possible. Clairement. Mais dans les problèmes. Deux interceptions, deux ou trois. Ok. Pas plus de peur de balle. Ok.